Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Merci Jésus pour cette brise légère qui souffle. Il fait très chaud. Et ça fait du bien. Alléluia. Je voudrais faire une toute petite vidéo, tout simplement pour dire merci. Merci à Jésus. Merci à notre Sainte Mère Marie. Merci Saint Joseph. Merci à notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine. Merci à tous les saints et saintes, amis de toi, Jésus. Merci à Saint-Michel Archange, qui est comme Dieu. Merci à Saint-Gabriel Archange. Merci à Saint-Raphaël Archange. Merci à tous tes anges guérisseurs. Merci à tous les anges qui te servent, ô Jésus. Et puis, je voudrais remercier aussi toutes celles et ceux qui regardent ces vidéos. Je suis très content. Je préférais que vous soyez un peu plus nombreux à mettre des commentaires, mais je sais qu'il y a des personnes qui ne mettent pas de commentaires pour des raisons très particulières. Et sachez que je comprends bien ça. Il n'y a pas de souci. Et puis, je voudrais remercier pour les pouces en l'air et aussi remercier les commentaires, ceux qui commentent, qui prennent même quelle que soit la taille du commentaire. Merci. C'est vraiment très précieux de pouvoir vous lire. C'est agréable. Et je répète, c'est des personnes qui ne mettent pas de commentaires, il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire. Pas besoin d'en détailler les raisons, ça se comprend. Quand on a un petit peu d'expérience humaine, on comprend les choses. Merci Jésus, alléluia. Voilà, c'est uniquement l'objet de cette vidéo. Un grand merci à toi Jésus, alléluia. J'espère que les personnes, les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver, eh bien vont pouvoir aussi pouvoir participer, car comme je vous y invite, et puis vous n'avez pas attendu mon invitation, nous prions tous ensemble. Et j'espère que Jésus, et je suis sûr que Jésus nous donne des grâces. Merci Jésus de tes grâces qui nous font grandir dans la foi, dans cette confiance en toi Jésus, notre seul enseignant. J'insiste toujours sur cette réalité, nous n'avons qu'un seul enseignant, c'est toi Jésus. Amen. Ça c'est très très important. Car les faux enseignants, c'est comme les faux prophètes, ça pullule. Et il nous faut être prudents. Car l'enseignement des évangiles, ta parole au Jésus, j'ai bien dit des quatre évangiles, hein. Pas des cinq ou des six ou des sept, non, des quatre évangiles, eh bien, sont les enseignements de Jésus. Et Jésus les fait mûrir dans nos cœurs. Et il faut lui faire confiance pour que sa parole donne du fruit, et comme il le dit dans sa parole, que nous portions du fruit en abondance
et de façon durable. C'est ce qui est important, c'est de donner du fruit. Nous sommes les sarments, nous. Hein. Jésus est la vigne. Et nous, nous sommes les sarments et il faut que nous donnions du fruit. Je pense que vous comprenez ce que ça veut dire, donner du fruit. Merci Jésus. Alléluia. Là, je vous vois mieux. Voilà. Donc, petite vidéo de remerciement, tranquille. On pourrait se faire un petit apéro, là, c'est un peu tôt, mais bon. N'hésitons pas, pour celles et ceux qui le souhaitent, à passer au réel, parce que c'est nous pouvons aussi, et avec, il y a déjà des personnes qui sont, nous nous sommes connus par ces vidéos et nous avons fait le pas du réel. Et je leur fais un petit coucou en passant. Et c'est très sympa, voilà, de passer du virtuel au réel, bien sûr, toujours pour faire ta gloire au Jésus et pour progresser dans la foi, chacun dans nos vies, mais c'est possible de se rencontrer, si vous le, bien sûr, pour ceux qui le souhaitent. Voilà, les amis de Marie-Madeleine, on n'est pas une association, on n'est pas une communauté, on n'est pas une congrégation, on n'est pas une secte, simplement des amis de Marie-Madeleine. Et voilà, si le cœur vous dit qu'on puisse se rencontrer, eh bien, comme dirait l'autre, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Donc ça, c'est une possibilité pour celles et ceux qui le souhaiteraient. Mais c'est sympa. C'est sympa. C'est tout à fait une concrétisation. Et pour les personnes que j'ai eu le plaisir de rencontrer en passant et en venant justement de ce. On s'est rencontré par Internet, par YouTube tout simplement. Et voilà, ce sont des belles amitiés en toi Jésus et merci Jésus. Merci à Jésus de vous bénir. Voilà, c'est la petite vidéo qui commence à être un peu longue. Mais c'est volontairement aussi que je fais que je prends ce temps tranquille, hein, devant un apéro invisible, tout aussi virtuel, pour pouvoir voilà, se poser un peu et comme si je discutais avec vous, passer un petit moment sympa, car les vidéos, les vidéos, ben, il y en a, vous avez remarqué, je pense, mais ça n'empêche pas de se poser et de peut-être de vous faire profiter d'un petit temps de pause, voilà, pour vous obliger un petit peu à vous poser et de réfléchir tranquillement
à ce que nous pouvons éventuellement faire ensemble, c'est-à-dire se rencontrer, bien sûr, de préférence dans un lieu comme la Sainte-Baume, comme Notre-Dame des Grâces ou la source de Saint-Joseph. Ce sont des lieux particuliers. Nous l'avons fait aussi du côté de Marseille, au tombeau du frère de Sainte Marie-Madeleine et de Sainte Marthe, Saint-Lazare. C'est d'ailleurs visible dans les vidéos précédentes. Voilà. Et puis nous sommes les amis de Marie-Madeleine, nous sommes ouverts à des propositions. Bien sûr, c'est toujours un bonheur de rencontrer des frères et des sœurs dans la foi, sans organisation plus que ça, quoi. Sans adhésion, sans machin, sans, simplement pour passer un temps ensemble et rendre grâce à Jésus, bien sûr, aller à la messe ensemble. C'est des choses du domaine du possible. À méditer, à la grâce de Jésus. Amen. Je vous souhaite une belle soirée dans la paix de Jésus et je vous dis à très vite et je vous envoie selon ta volonté Jésus les bénédictions que tu voudras bien porter à mes frères et sœurs au Jésus, toi le ressuscité pour l'éternité. Amen. À très vite.